lancer, prêt, la rondelle est tombée, bon match. Gardien d'office ce soir après le premier coup de sifflet. Picard s'amène à toute vitesse devant Lacasse. Pose Villemaire à la rondelle avec Asselin. Belle fin de Villemaire. Tire du revers. Stoppé par Saint-Laurent pour Tourigny à Marcotte. Marcotte est rejoint par Bélanger. On demande alors qu'on jette les gants. Villemaire est rejoint par Verpalst également. Alors qu'on est à quatre joueurs pour... se battre, il y aura également Marcotte et Malouin qui ont maille à partir. La cible. Ward a mis en échec le joueur des Marquis. Et là, on va aller s'adresser. Ok, Wallet a de la difficulté à retraiter au banc des siens. Passe vers Riendo. Riendo est rejoint par Harty. Et là, il y aura vraisemblablement tir des pénalités. Et c'est le cas. Bon match, là. Riendo s'amène devant la casse. Riendo, fin du revers, le tir de but dans le haut de la lucarne. Fin du revers, il place la rondelle derrière la casse. C'était facile. Potentiellement un 2 contre 1 avec Harty. Passe à Harty. Harty à Corriveau. Oh, le tir! Et ça touche le poteau, j'ai l'impression. Passe à Marcotte. Marcotte vers Tourigny. Tourigny s'amène. Passe à Villemaire, le tir! Et quel arrêt de Saint-Laurent. Encore une belle pièce de jeu entre les joueurs des 3L. Marcotte. Derrière le filet, tente de rejoindre devant Villemaire. C'est le but! Oh, wow! Rondelle libre récupérée par Tourigny. Et il marque, il bat Saint-Laurent du côté du... Tourigny marque le premier but des 3L ce soir, alors que devant le filet, Gartin est venu tout près de surprendre. À Marcotte, vers Tourigny, à Marcotte. Marcotte tire, reprend le disque dans son territoire, tire de loin. Rondelle libre et Saint-Laurent finalement est en mesure de... de capter la rondelle et de conserver Ward dans son territoire. Tenter de rejoindre solide Charbonneau qui a été mis en échec par Paradis. Il y aura pénalité au Marquis. Oh, wow. Alors que Malouin est venu mettre en échec Saint-Cyr. Non, c'était Guertin. Ah, Malouin qui cherchait. Alors, Malouin là, qui cherche un client. Là. Oh, ouais, assurément. Il veut se concentrer sur son match. Il semble genou à genou, ça. Ouais. Ou... Novassad, justement, Picard s'en vient rejoindre Novassad. Villemaire est là également. Un petit peu de brasse camarade devant le banc des punitions. Seulement des avantages numériques. C'est son travail, il le fait bien. Voilà, tir, arrêt de la mitaine de Lacasse. Un bon tir voilé. Passe vers Paradis. Paradis tire le but. Ouais, double écran là, sur Lacasse, il n'a rien vu. Donc, but marqué en avantage numérique et les Marquis reprennent les devants. Alors que Brisebois soutire le disque à Saint-Cyr, s'amène devant la casse. Bel arrêt de la casse. Ward pour Chevrier. Passe à Chabot. Chabot devant le filet. Rondelle libre et on est venu tout près de vaincre Saint-Laurent. Alors que Clark a maille à partir avec Chabot devant le filet. Le jeu est en cours. Saint-Laurent vient pour chasser. Et tombe par-dessus Chabot. Et là, brasse camarade devant le filet. Chevrier, Paradis récupère une rondelle libre et laisse pour Véro. Véro s'amène devant la casse. Arrêt du gardien des 3L. Petit derrière lui pour Riendo. À Petit. À Picard de l'autre côté. Le tir de but. Ouais, un jeu, on dirait que c'est un jeu là, planifié, dessiné depuis le début. Saint-Cyr est en mesure d'intercepter la rondelle devant Brisebois. Passe à Saint-Cyr. Saint-Cyr a été rejoint dans le dos. Et le but finalement marqué par Asselin. Bizarre de séquence. Ouais, je crois alors que c'est... Que vers Novassad. Novassad tire. Ça touche le poteau. Oh, on avait battu le gardien Saint-Laurent. Brasse camarade après le coup de sifflet. Dégagement jusqu'à Asselin. Asselin perd le disque devant Picard. Picard s'en empare et le but. Ah, bien joué de Picard. Marqué par Picard, son deuxième du match encore une fois. Un petit peu de brasse camarade maintenant entre Chevrier. On cherchait la provocation. Bélanger. Bon tir. Tir de Asselin, le but. C'est 4-3. C'est peut-être pas fini, là, ici au centre Premier Tech, avec 34 secondes à faire. Rondelle qui revient jusqu'à Malouin. Et Malouin manque la cible. Mais le match se termine de cette façon. Victoire des Marquis de Jonquière, 4-3 face aux 3L de Rivière-du-Loup.
Bon match entre les deux équipes. Beaucoup d'intensité, suspense jusqu'à la fin.